Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer un petit extrait d'un cours qu'on propose tous les samedis matins sur l'atelier en ligne. Ce cours, c'est un cours pour tous les niveaux et tous les âges. C'est toujours des moments hyper agréables, on y apprend plein de choses sur le dessin, la peinture, on produit des images tous ensemble. C'est très convivial et vraiment sympa, je vous invite à en suivre un très prochainement. Dans ce cours, on avait appris à dessiner des chats hyper facilement à base de formes toutes simples. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on se lance. Du côté du matériel, on a besoin de rien de spécial, un crayon, une feuille et on y va. Allez, hop, la tête du chat. On fait un ovale. On fait un petit ovale pour sa petite bouche. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit triangle pour le nez. Et on colorie en noir. La petite mouette. Là maintenant vous êtes pro. Hein. Et on peut repasser sur le petit ovale. Est-ce que j'aurais pas oublié un truc là? Est-ce que j'aurais pas oublié les yeux de mon chat? Si. Un œil d'un côté, un peu plus petit parce que c'est celui qui est le plus loin. Un œil de l'autre parce qu'il est plus près et qu'il est plus grand. Et on repasse en noir. On fait le noir des yeux. Il va regarder par là-bas, on ne sait pas ce qu'il regarde. Il regarde un papillon qui passe par là. Ses petites oreilles. Et on colorie aussi le rond des yeux, d'ailleurs on l'a oublié. Je vais repasser sur son oreille. Je fais des petits poils. Je vais lui faire une petite touffie sur la tête comme ça. Tchouk. On repasse là. On va lui rajouter sa petite joue. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir lui dessiner son corps. On va voir pour le corps, c'est très facile. On va juste faire une grosse patate ici et on va faire un chat assis. Tiens, j'ai pas oublié un truc encore, j'ai oublié les moustaches là. Je vais colorier ses petites oreilles en noir. Alors regarde, pour le corps, on va lui faire un gros ovale comme ça. On fait comme une patate, comme un espèce d'œuf là. Vous avez vu déjà, on a l'impression de le voir un petit peu apparaître là. Ça, ça va nous guider pour la forme de son corps. Et une fois qu'on a ça, on va faire une ligne un petit peu qui part d'un côté et une ligne qui part de l'autre pour sa petite patte avant. On va faire une ligne le long de son dos qui fait biou, qui rentre un peu et qui tourne par là. On va faire une ligne pour son corps. Il est assis. Donc je repasse sur ma patate, hein, tout simplement. Et ensuite on va rajouter juste sa queue. Donc je fais comme un espèce de 8 là, comme ça. Comme une cacahuète. Là, on termine bien la ligne en bas. On repasse bien sur le bas de la patate. Et on passe sur la queue. Et pour qu'on ait l'impression qu'il y ait des poils, on peut lui faire un petit bord un peu touffu comme ça. Et je vais lui faire une queue tigrée. Donc, je vais venir lui rajouter des petites rayures.
Hop. Et je vais lui faire le petit bout tout noir. Et voilà notre chat assis. Il va trop mignon. Et juste avant de partir, ce que je vais rajouter moi, c'est un petit papillon qui vole par là. Alors le papillon, c'est facile. Je fais un petit trait noir, une petite aile, une petite aile. Et vous savez, pour que ça fasse papillon, faire des petits motifs. Pour ceux qui n'ont pas vu le cours, vous allez le voir. Et pour qu'on sente que ses ailes elles bougent, on va faire deux petits traits par là. Et voilà, le papillon qui vole au-dessus de notre chat. J'espère que le chat ne va pas essayer de le manger quand même, parce que ce serait quand même pas très sympa. Ça y est, ce petit cours est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura permis de dessiner vos propres chats. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie de découvrir plein d'autres vidéos, rendez-vous sur l'atelier en ligne. On offre un essai gratuit pour vous permettre de découvrir tout ce qu'il contient. Bon allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !